Bonjour, alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre des verres plus forts? Souvent, on me demande, ah bah écoutez, je vois, ça va, mais est-ce que vous pouvez pas me mettre un petit peu plus fort par rapport à mes anciennes? Est-ce que vous pouvez pas modifier un peu l'ordonnance? Alors, d'une manière légale, oui, on peut modifier l'ordonnance, sauf indication contraire sur le explicitement écrit sur l'ordonnance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on va prendre les deux cas, myope, hypermétrope. Si on est myope, si je vous mets un verre un peu plus fort en myopie, vous allez certainement avoir un contraste augmenté de loin et la sensation d'avoir une meilleure visibilité de loin. Mais cette meilleure visibilité, se fera au détriment d'un effort musculaire qu'on va demander à l'œil. Ce qui peut devenir un peu plus compliqué dès qu'on regarde de près, puisque ça va d'autant plus augmenter l'effort que vous allez devoir faire. Quand on est hypermétrope, là, c'est complètement différent. Si on met trop fort, on voit flou de loin. C'est tout simple. Ceci dit, quand on est presbyte, ce qui s'apparente un petit peu à l'hypermétropie, sur le fonctionnement, mais pas sur le... Enfin bon, allez, hop. Si on est presbyte et que je vous augmente un peu la vision de près, essentiellement, on va créer un effet loupe, on va créer une certaine proximité et moins de profondeur de champ. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir votre test de lecture, votre téléphone, tout ce que vous voulez de manière peut-être un petit peu plus nette, mais à distance beaucoup plus fixe. On aura beaucoup moins cette profondeur de champ et le fait et la facilité de pouvoir reculer ou pas. La distance sera vraiment vraiment fixe. Donc non, un verre trop fort n'est pas forcément la meilleure solution, mais un verre justement parfaitement en adéquation avec votre vision, c'est ça qui fait que vous aurez la vision la meilleure. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez Atalaïstre. Allez, au revoir.